s'emmerde là. Mais pourquoi il fait plus de tests l'autre? Bah il est trop occupé apparemment. Oh, mais de toute façon depuis qu'elle a dépassé les 100 abonnés, on le reconnaît plus hein. Je sais pas, il fait des lives, il fait des lives. Ouais, ça a même mis son monteur au chômage. Yeah. Bon écoutez, je vous propose qu'on joue un peu. Je sais pas, on pourrait se faire un Mario Kart. Ah non, ça c'est pourri ça. Quitte à faire un jeu de course, autant faire un bon Sonic quoi. Bon bah sinon j'ai un Sonic R si vous voulez. Ah bah voilà, c'est parfait ça. Qu'est-ce que t'en penses? T'es chaud toi? Ouais bon. Bonjour et... Oh, aïe. Oh, je suis trop vieux pour ces conneries moi. Imaginez un monde où tu portes la moustache. Très drôle, ouais. Mais attends, c'est quoi ce bordel? Non. Imaginez un monde où Sonic est devenu la star qu'il devait être. Bah c'est déjà une vraie star, il a son film qui cartonne au cinéma, tout le monde le connaît. Non, 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 je parle d'une vraie star. Être Mario à la place de Mario. C'est pas le sujet d'une de tes anciennes vidéos, ça? Pas du tout. Aujourd'hui, Mario est un personnage iconique, connu de tous. Chaque sortie de jeu est un événement. Il s'agit même de la mascotte de Nintendo. Tandis que Sonic, lui, est la mascotte d'une entreprise quasi oubliée, avec des jeux quasi oubliables, et devant squatter l'affiche avec un foutu communiste moustachu, tout ça pour tenter d'exister encore. C'est normal, ça? Je suis un peu emporté. Juste un peu. Mais saviez-vous que Sonic a été créé dans le but de concurrencer Mario? Non, sans blague. On savait pas, hein? Oui, d'accord, mais par exemple les jeux de course. Si Sega avait réussi son pari, on serait là en train de jouer à Sonic Karting, par exemple, au lieu d'un énième Mario Kart. Excellent, par ailleurs. Bah, tu peux toujours. Ils ont sorti Team Sonic Racing en 2019. Chut. Tais-toi. Tais-toi. En 1992, sort sur Super Nintendo le premier jeu d'une longue liste, j'ai nommé Super Mario Kart. Oh. Oh. Tu veux pas faire un effet ou afficher ce que je dis, là? Voilà, merci. Décevant. Pouvant contrôler jusqu'à 8 personnages dans 20 circuits différents et à la difficulté ajustable, ce jeu est un pionnier du genre apportant un gameplay nerveux et agréable et suivant les... Oui bon ça suffit là, on n'est pas là pour ça à la base. Voulant reproduire le succès et le concurrencer, Sega décida de sortir en 1994 le jeu Sonic Drift sur Game Gear, Game Gear, merde. Concernant ce jeu-là... Oh la vache, la qualité du micro, quoi, sérieux. Oui, c'est bon. Concernant ce jeu-là, donc, il y a 4 personnages jouables dans 18 circuits différents et avec un niveau de difficulté ajustable. Les niveaux sont sympathiques, reprenant les décors des jeux Sonic. Ici, pas d'items comme des carapaces rouges ou encore des étoiles, mais plutôt des télés comme dans les jeux Sonic, qui vont vous donner certains pouvoirs, comme l'invincibilité, hein. D'ailleurs, ça m'a bien servi. Tout le long d'un niveau, j'avais... le pouvoir d'être invincible, c'est cool. Ou encore des ressorts pour pouvoir sauter au-dessus de ses ennemis. C'est quand même la classe. Bref, un jeu sympathique, mais loin de concurrencer Super Mario Kart sorti 2 ans plus tôt. Ouais, enfin bon, c'était pas les mêmes consoles non plus, hein, c'est pas les mêmes capacités. Oui, c'est bon, ça va. Oh. En 1995 sortira la suite Sonic Drift 2, intégrant plus de personnages jouables, mais c'est en 1997, voulant concurrencer ceci, que sortira le premier jeu Sonic en 3D, j'ai nommé Sonic R. Ah, R comme il y a R, genre rien? Non, plus R comme racing, mais bon. Sega Saturn, évidemment. Voilà, une licence de Sega, hein, on s'en doutait un peu, mais bon, c'est bien de le rappeler. Oh, ouais, c'est bon. Ah, on sait que ça appartient à Sega, hein, ça y est, on est bien au courant. Traveler Tales, évidemment, hein, qu'on connaît bien. Donc Sonic R.
Voilà, sorti en 97, c'est très joli, ces petites merdes en 3D qui se baladent. Allez, hein. Alors, on a... Ok, pas mal, on a 3 trucs. Ok, nous avons le Grand Prix, Time Attack. Bon, j'imagine course contre la montre, hein. Et option. Et le troisième, là, qui a l'air d'être une battle, on peut pas l'avoir, ok. J'imagine que ça se débloque, donc on va faire le Grand Prix. Waouh, Sonic. Très joli 3D, hein, il est très beau. Bon, il sera toujours mieux que dans le film, hein, dans la première version. Ok, on a notre ami Tails, hein, qui est là. Très joli aussi d'ailleurs. Knuckles, je crois. Notre ami Amy Rose, en voiture, tiens, original. Elle a sa voiture, elle. Voilà, elle a le droit à sa bagnole et les autres sont à pied. Voilà, c'est sympa. Alors, la Resort Thailand, ok. Radical City. Ça a l'air sympa. La Regal Ruin, parce que c'est un régal. Et Reactive Factory. Voilà. Et on en a un cinquième circuit, mais bon, on peut pas y accéder apparemment. C'est pas beaucoup de courses, ça, quand même. Après, bon, ça il doit y avoir peut-être un peu plus, je sais pas. Très beau chargement, hein. Ça, c'est... On voit qu'ils maîtrisent la 3D, les mecs, hein. Ok, très joli. Il y a du monde, hein, c'est festif. Ok, ready, set, go. Allez, c'est parti, voilà, voilà, voilà. Qui me pousse, là? Qui ose me pousser? Voilà, oui. Attendez. Wow, 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 où est-ce que tu vas, petit? Il est fou, quoi. Ok, putain, il est à pied, mais il va plus vite que les véhicules. Ok, wow. Je vous jure que j'essaye d'aller droit, hein. J'essaye pas de... Voilà, j'essaye pas de faire de la merde, là, comme ça, mais... Putain, mais c'est incroyable. Allez, on part droit, on essaye, voilà, on va choper l'item. Non, non, l'item. Putain, je suis parti loin, là. Ok, c'est pas grave. Non, attendez, on va choper l'item. Moi, je m'en fous. On s'en fout qu'on soit quatrième, là, on chope l'item. Voilà. Par contre, 20. Ok, j'ai 20. Je sais pas pourquoi. Wow, 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 je fais rien. Le mec, il est parti tout seul. Ok. Il s'en passe des trucs en 2 secondes. C'est très rapide, c'est nerveux, en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des bombes qui me poursuivent, là? Sérieux? C'est pas grave, allez, on tourne, on tourne. Non! Oh, où est-ce que tu vas, petit? Il grimpe sur les murs maintenant. C'est très dur. Franchement, arrive à faire des virages normaux, c'est. Voilà, super, on va dans l'eau, on adore ça. Est-ce que je peux rentrer? J'avais 20. Non, j'ai pas le droit. J'en ai chopé 20 tout à l'heure. 20 points, on va dire. Je sais pas trop ce que c'était, mais c'est pas grave. C'est peut-être des rings, des anneaux. Des anneaux que j'ai chopé. Je sais pas. Oh, j'ai le pouvoir électrique. Ah merde, électricité dans l'eau, ça fait pas bon ménage quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui s'affichent des fois? J'ai l'impression que des fois on me prend pour cible. J'arrive pas à remonter sur le circuit, sérieux. Là, je suis dans la forêt là. Ok. Ok. On va essayer d'aller là. Oh putain, je sais pas où je suis, mais. Putain, je suis pas passé une seule fois par le start, quoi. Par le checkpoint. Ok, c'est pas grave. Heureusement que quand on passe à côté, ça marche quand même. Oula, qui c'est qui me vise? Attendez, c'est quoi ça? Je crois que je dois aller choper 0 sur 5. Je crois que c'est ça que je dois choper, mais je... C'est la galère, voilà. On est sous l'eau, hein, évidemment. On est quatrième, on est sous l'eau. Et waouh, merci la bombe. La bombe m'a aidé. C'est bien. Par contre, arrêtez de me balancer des bombes. Moi, j'aimerais bien qu'on me laisse tranquille un peu, s'il vous plaît. C'est Eggman, je crois, qui me balance des bombes, mais c'est pas très sympa, quand même. Allez, on va passer devant Tails un peu. Non, voilà, je suis passé devant pendant 2 secondes. Ça, c'est super, on adore ça. En tout cas, très bonne ambiance, hein. Elle est sympa, l'ambiance, là, ici. Hein. Wow, mais où vas-tu, Sonic? Mais il est complètement torché. Hein. Impossible. J'essaie d'aller droit. Je vous jure, j'essaie d'aller droit. C'est juste intenable. Oh, voilà. Troisième, écoutez, on est sur le podium, hein. Voilà, moi ça me va très bien. Par contre, bah, vous voyez, il est content. Il est moche, mais il est content. Non, ça va, il y a plus moche que ça en 3D. Hein. Troisième, voilà, c'est super joli, j'ai fait 44 secondes, c'est mon meilleur temps, c'est le deuxième tour. 2 minutes 20, évidemment. Écoutez, on va... Hey, il y a un replay. Écoutez, moi, si je peux juste me poser et regarder le truc, ça me va très bien. Non, c'était pas mal, il y avait une super ambiance, bonne musique. On est dans le truc, moi j'aime beaucoup la musique, elle est vachement bien. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Et regardez, ouais, je me souviens de ce moment.
La caméra, s'il vous plaît. Vous pouvez pas rapprocher, je vois rien. T'as vraiment nul ce caméraman. Oh là, oui, il dérape. Oui, je dis il, mais c'est moi qui ai joué, mais c'est pas grave. Ah, mais je vous jure que c'est incontrôlable. J'essaie de le faire aller droit, de suivre les directions, mais à partir du moment où il y a la vitesse, vous ne pouvez plus rien contrôler, c'est... Oh putain. Ah mais là, ça a l'air complètement con, le mec il va dans l'eau. Ah putain, mais quel carnage. C'est un scandale, hein. C'est juste un scandale. Reverse, putain, j'avais pas vu ça, le reverse. Ouais, bah oui, j'étais un peu en contresens. Waouh! Ah ouais, c'est beau. Et je suis passé 0 fois par le checkpoint. Heureusement qu'il comptabilise quand même le tour. Oui, mais j'ai pas envie de recommencer. Écoutez, on va tenter une autre course. Un autre circuit, ça va, on va pas recommencer, c'est bon, on n'a pas. Hein. Et. Oh, bon. Allez, Grand Prix. On va garder Sonic, parce qu'on l'aime bien quand même. Moi, j'ai envie de tenter la Reactive Factory. Moi j'adore, ça vend du rêve. Je trouve que ça vend du rêve. La Reactive Factory, ça va être sympa. L'usine réactive. Mais c'est magnifique. En vrai, je rigole là, mais ça va. En vrai, le 3D n'est pas si dégueulasse. Il est même plutôt bien. Non mais, on se remet dans un contexte. 97, premier jeu Sonic en 3D. Voilà. Ça, c'est pas mal ça. Ils m'ont filé un bon truc là, j'aime bien. Oh putain, par contre, ah, les contrôles sont à chier, hein, je peux vous le dire. La maniabilité est à chier, ouais. Ça oui, ça on peut le dire, hein. on peut bien le dire. Hein. Waouh! Regardez-moi ce saut, Sonic c'est le meilleur, hein, franchement. Regardez, voilà, il se prend tous les murs, on adore ça. C'est petit, voilà, je sais pas où je vais, j'ai envie de vomir, mais ça va. Ah putain, oui, on peut aller sur l'eau, d'accord. Putain, excellent, j'aurais dû le faire depuis le début. J'aimerais bien... Non, je veux pas aller par là, en fait. Sérieux? Non, mais je veux partir de là, je suis bloqué, sérieux, c'est incroyable. Allez, on reprend le circuit, c'est pas grave. On s'en fout. Je fais n'importe quoi, j'arrive pas à revenir sur la piste. Il est devenu fou. Il est... Ah oui, voilà, bah, parfait, j'adore. Voilà. Merde, il faut quand même que je reprenne le contrôle à un moment donné. Mais où est-ce que je dois aller? Reverse. Mais je sais pas où je dois aller. Mettez-moi des flèches, des pancartes, faites quelque chose, je sais pas où je vais, là. Ok, bon, on va par là. Ah oui, ça faut que j'en chope un. J'en ai 0 là. Attendez, on va le choper. Non, j'aimerais bien. Je peux pas retourner en arrière. Sonic peut pas retourner en arrière. Lui, retourner dans le passé, pas pour lui ça. Reverse. Mais what the fuck? Comment ça, reverse? Je comprends rien à ce circuit. Hein. Je sais pas vous, je suis perdu. Je suis totalement perdu. Ok, on est 5ème, c'est un échec. Pas grave, on a encore 2 tours. J'ai mis 2 minutes à faire le premier tour. C'était le temps du premier circuit qu'on a fait, en entier, mais c'est pas grave. Putain, je suis 5ème. Regardez sur la carte, je suis tellement loin. Mais je suis loin. C'est un bordel la carte aussi, hein. C'est encore plus incompréhensible quand tu regardes la carte, hein, bizarrement. Écoutez, on va aller tout droit. Moi, je boycotte, je vais tout droit. Apparemment, on peut y aller. Ce que j'aime beaucoup, c'est la liberté qu'on a dans ce jeu. C'est qu'on peut aller un peu n'importe où, on peut aller dans l'eau, c'est pas grave. Il n'y a pas l'acquitude qui débarque et qui vient te remettre au début, quoi. Enfin, qui te remet sur la piste plutôt. Te remet pas au début, l'inquiétude. Elle est pas bâtarde comme ça, l'inquiétude quand même. On va tenter un truc. Je peux rejoindre. D'accord. Cette bombe était gratuite ou. Voilà, on rejoint là. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai rien compris de ce truc. J'ai rien compris. Quatrième, mais oui, mais évidemment que c'était de la merde. Évidemment que t'es déçu, Sonic. Putain, incroyable. On va changer de perso et on va changer de. De course, parce que Sonic il est fatigué, j'ai l'impression. On va prendre notre ami Tails et on va aller dans la Régal Ruine. C'est un régal, évidemment. Je sais pas, moi, me demandez pas la traduction, j'en sais rien. Bon, waouh, regardez, c'est magnifique. J'aime beaucoup, franchement, les décors sont sympas. Voilà, c'est du vieux 3D, mais c'est sympa. Allez, Tails, vends-moi du rêve. Regardez, ça fait hélice. J'ai l'impression qu'il va beaucoup plus vite que Sonic, c'est moi ou... Waouh. Ah par contre, à contrôler, c'est l'enfer. Hein. C'est... Mais je veux pas aller là. Allez, redresse-toi. Putain, il faut freiner. Enfin, en fait, il faut lâcher l'accélérateur, en fait. Enfin, l'accélérateur, enfin, faut plus qu'il court. Wow, allez, s'il vous plaît. Non, je voulais pas aller là. Non, je veux toujours pas aller là. Pourquoi tu fais ça? Écoute-moi. Mais respecte-moi un peu. Oui, vas-y, monte sur les panneaux, t'as raison. Incroyable. Ah, c'est magique, là. Oh oui, allez, on y va.
Oh bordel, mais c'est incroyable. Mais ça glisse, c'est du savon. Allez, vas-y, je monte là-dessus. Non, t'as pas envie. Non, il a pas envie, il me respecte pas. Il me respecte pas, il a pas envie, il m'écoute pas. Je dis droite, il va à gauche. Je dis bouge pas, il bouge. C'est l'enfer. Voilà, coucou. Amy Rose va toujours aussi pourrie, apparemment. Ah, c'est pas une pilote, c'est pas une pilote. Voilà. Attendez, on va rester. Non, je voulais rester sur le circuit. Ah, c'était un peu l'objectif quand même. Oh, les super chaussures. Oh, c'est la merde. Ah, c'est le cadeau empoisonné, ça. Ah, c'est le cadeau empoisonné. Regardez-moi ce bordel. Mais regardez ce bordel. Je fais rien, je sais pas où je vais. Voilà, ben, je fais du pif. What? Attendez, on est au deuxième tour? J'ai pas pigé où était le checkpoint, je sais pas. Oh, mais je sais pas où je vais. Je ne sais pas. Mais c'est quoi ce délire? C'est un délire. Mais c'est fou. Allez, redresse-toi. Mais c'est l'enfer. Mais il est encore pire que Sonic. C'est pas du savon qu'il a sous les chaussures, lui. C'est fun, hein, on rigole bien. Mais vous pouvez avoir le niveau que vous voulez à n'importe quel jeu de course. Mais laissez tomber, Sonic R te remet à zéro. C'est pas possible. Vous pouvez pas contrôler le truc, c'est incontrôlable. Voilà, oh, j'ai chopé un deuxième truc, génial, j'en ai 2 sur 5. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'en ai 2. Et ça c'est important. Voilà, on se sent riche, un peu, on sait pas de quoi, mais on est riche. Oui, ça s'ouvre. Eh ouais, ça c'est la richesse, ça. Ok, waouh, les démarches, c'est magnifique. Ok, c'est quoi ça? Oh, il y a un diamant. Attendez, je vais choper le diamant. Non, je veux choper... Mais pourquoi tu m'écoutes pas, sérieux? Il me rend fou, ça y est, il me rend fou. Mais qu'est-ce qu'il a, l'autre? Eggman. Putain, c'est le cinquième. Attendez, je suis dernier? Ah oui, je suis plus Sonic, moi, je crois que j'étais deuxième, mais oui, c'est vrai, je suis dernier, super, on adore ça. Ouais, j'ai chopé le diamant, je sais pas ce que ça a fait, mais on aime ça, voilà, j'adore. Allez, oui, oh là là, c'est un bonheur. À contrôler, c'est un... Mais monte! C'est fou! C'est complètement fou. On devient fou. Moi, j'ai... Voilà, on est cinquième, bon, je suis à 600 km de tout le monde. Voilà, j'ai chopé un diamant, mais je suis dernier, donc c'est... Mais what? Je n'ai rien compris, je suis arrivé quatrième. Franchement, c'est mérité parce que j'ai joué comme une chiasse. Oh, on a gagné un KO. Je n'ai pas gagné. Pourquoi? C'est dégueulasse, je tiens à le dire. Et rien que pour ça, écoutez, on va se mettre le replay juste pour rigoler 2 minutes. Non mais... Ils me disent que je l'ai et au final je l'ai pas. Mais c'est un scandale ce jeu. C'est un putain de scandale. Franchement, le 3D n'est pas dégueu. Les musiques sont sympas. Moi j'aime beaucoup, ça met une ambiance. Mais regardez-moi ça, on dirait le championnat des gens bourrés. C'est pas une course ça. Voilà, je suis arrivé premier une fois. C'est au début de la course. Voilà, regardez. Voilà, premier. Excellent. Et après je me suis bouffé tous les murs de la map. Tous. Même les panneaux, je me suis pris. Voilà, regardez ça. Mais on dirait que je suis torché. Vous mettez ça, on dirait que je suis torché. Ça c'est encore pire avec le replay. Alors là, il fait... Oh là là, carnage. Au vu du nombre limité de courses, c'est un bordel sans nom. C'est pas maniable du tout. Franchement, c'est la merde. Mais c'est pas un mauvais jeu. Enfin bon, en guise de conclusion, on comprend mieux pourquoi... Sonic a eu du mal à rivaliser avec Mario, hein, parce que quand vous prenez Mario Kart 64 sorti un an plus tôt, voilà, vous voyez quand même que c'est beaucoup plus maniable, qu'il y a quand même un esprit de course. Voilà, on comprend mieux pourquoi Sonic a eu du mal à se démarquer au niveau des jeux de course. Après, vous avez plein d'autres qui ont essayé, comme Banjo-Kazooie, qui a d'excellents jeux de course d'ailleurs, Crash Bandicoot, voilà. Mais c'est vrai que Mario Kart a quand même son level, quoi. Mais bon, Sonic R n'est pas un si mauvais jeu. Eh ben, pas très poussé ton analyse, hein. Ah non, mais attends, j'ai pas dit que j'allais réinventer l'analyse des jeux de course. Ouais, mais n'empêche, ta conclusion est quand même toute moisie, hein, je veux pas... Ah, mais t'inquiète, on va bien conclure, attends, j'ai une blague pour toi. Tu sais ce que dit Sonic quand il rencontre un cactus? Il dit maman. Maman, parce qu'en fait, un cactus, ça pique, et Sonic, c'est un hérisson. C'est drôle. Enfin, putain, c'est quand même drôle. Ça pique, les deux, maman, ils confondent. Je sais pas. Oh, puis, tu sais quoi? Je te laisse apprécier ça, là. Ça te fera du bien. C'est bon. Oh là là, et susceptible, hein. Je préférais qu'on faisait encore pas de test, hein. Ça valait mieux. Pardon?